Bonjour à tous les amis, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je vous fais une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Dofus. Et mon ami Romain, donc alias Jack Sparrow que tout le monde commence à connaître maintenant, m'a fait une petite surprise, c'est que apparemment Ancatrol, comme il a dit textuellement, est en train de nerfer les obals assez violemment. Du coup, comment dire, il a choisi de changer de voie avec Cabriole. Donc à la place d'un Zobal, maintenant on va passer à un Yop. Donc voilà, Cabriole qui a été transformé en Yop grâce à la potion de changement de d'éléments. Donc du coup, je vais vous la présenter un petit peu. On va regarder un petit peu contre le putsch, ce qu'elle tape. Parce que bon, après un Yop, ça fait un peu plus de dégâts qu'un Zobal quand même. Enfin, j'ai l'impression. De ce que j'ai pu tester, ça va l'air pas mal. Donc du coup, on va tester chaque sort sans la puissance et une fois avec la puissance. Avec pression, on tape du 400, on met de l'érosion, c'est très bien. Avec la concentration, on met en 338 et 387. Ce qui n'est pour le cas pas dégueu du tout. Et avec l'épée d'Iop, voilà, sans puissance, sans rien, on est presque à du 600, 550-600, donc c'est assez violent. Donc on va tester la coco sans puissance, sans rien. Voilà, en critique 1441 au tour 1, donc on n'a rien du tout. Et on est en 961 de force et c'est où la puissance? Et 167 de puissance, voilà, de base. Donc là, on va attendre que la coco revienne. Est-ce que j'ai assez pour faire proc les puissances? Non. Ça dure deux tours. Donc, on va déjà mettre la puissance. On va mettre le brocle. On va mettre le putsch. Attends, c'est combien de PA le putsch? Voilà, 2 PA, parfait. Et on va casser la gueule du truc. Donc là, on va taper du 4000. Boum! 4044! C'est pas mal. Là, par contre, on n'a plus la puissance, donc on va attendre qu'elle revienne. Maintenant, on va tester l'épée du destin. On tape quand même du 416, c'est pas mal. On va attendre qu'elle gonfle, on va mettre la puissance. Voilà. Le brocle. Le putsch. On tape quand même du 1000. Hein. C'est pas des... Ah non, 738. C'est con. J'avais vu du 1000, là, j'ai... Je sais pas ce que j'ai vu. Ah, mais on peut l'augmenter deux fois. Non, je dis des conneries. Je connais pas super bien les Yop. Je connais tous les sorts et tout ça. Mais j'ai jamais joué de Yop à très très haut niveau en fait. Donc je découvre en même temps que vous. On va tester un petit peu vite fait les sorts. Avec bah, full boost. Hein. Voilà. On va passer à la pression. Qui tape après du 570. Faire un deuxième coup. Voilà. On va tester la concentration. Voilà, 490, c'est pas dégueu. On va reculer parce que sinon les pédiopes elles vont nous taper à la gueule. Et là on tape beaucoup trop fort. Ça c'est con. Alors on va faire sur un 75 pour tester les pédiopes. Et puis après on ira tester ça sur je sais pas moi, un petit donjon que j'ai pas fait depuis longtemps. Un truc comme ça. Un truc assez rapide. Un truc que je gère. Alors on va tester. 673. 719, c'est pas mal. On tape. Mais en fait, je trouve ça vachement bien. En fait, depuis que je ne joue plus trop, ils ont ajouté ça en dessous des... Avant de taper, vous voyez les dégâts que vous allez faire. Enfin, plus ou moins. Donc ça, je trouve ça vachement pas mal. Même pas mal du tout. Ah oui, j'ai oublié de tester le cac. Mais je crois que Romain a pas monté la... Comment dire, la maîtrise, elle est où? Si, il a monté. Bah, elle est là. On va tester ça alors. On va attendre pour remettre la puissance. Donc c'est une bêche as. Le cac. On va tester ça. Boum! Presque du 1000, c'est pas mal. On va tester encore une fois. On peut taper. Bon, on va mettre un brocle. Un brocle. Et un putsch, allez, comme ça on y va. Ah merde, on va le tuer.
Ah, c'est con, c'est pas grave, on va en lancer un. Boum! Peut-être pas un 100, mais allez, un 75 s'il y en a un qui veut bien pop assez rapidement. Donc, ce qu'il y a de pas mal, c'est je pense qu'avec un Yob, je vais pouvoir soloter pas mal de donjons et tout ça. Donc, je vais pouvoir vous faire des vidéos facilement. Et pourquoi pas me remonter un perso. Un perso autre que celui-là, parce que voilà. Pour le moment, je suis quand même pas mal sur Wakfu. Donc, je comptais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu mes personnages. On va tester sur un 50. Je suis peur qu'on le one-shot. Non, 1500, ça va. Je joue pas mal à Wakfu parce que c'est un jeu que franchement je trouve vraiment qui a vraiment beaucoup de potentiel, mais je trouve ça con qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs. Enfin, il y a des joueurs, mais pas assez pour, enfin, à mon goût. Donc là, on va taper. Boum, 1216. C'est pas mal, même pas mal du tout. Tester un petit peu ça. Ah bah on aurait même pu se booster à l'épée divine. Tiens, j'avais complètement oublié. Enfin, ça, je vais faire une petite pause là, une petite ellipse, et on se retrouve. On va aller faire un donjon. Allez, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre donjon? On va taper dans le 130. Est-ce qu'on pourrait faire un kitsune? Un petit Peki. Ouais, ça peut le faire, je pense. Je crois que ça peut le faire. On va tester ça, on va monter sur la monture, je ferai une petite pause le temps que je fasse le chemin et on se retrouve pour le donjon Kitsune, à tout de suite. Donc voilà, on est de retour, on est devant le donjon Kitsune, donc avec toujours notre petit Yop. Et on va pas le faire tout seul, on va le faire en compagnie d'un ami qui s'appelle Fishka. Salut. Fishka alias Alex, que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est un des gars qui m'a fait XP le plus dans le jeu en un an, je pense, donc ça doit aller. Comment tu vas? Va bien et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps quand même. Bah ouais. Faut bien s'y remettre, hein, parce que les gens ils veulent voir du Dofus. Eh oui. Bah tu lances quand tu veux. Ouais. C'est bien le Peki, hein, le donjon Kitsune, hein, si je dis pas de Non. conneries. C'est pas le Peki? Non. C'est quoi? Le Peki, bah c'est Ah non, c'est le Tanuki-san. Ouais, non, je confonds. Il faut que je le capture derrière lui. Ah bah. Tu fais l'ocre? Ouais. Ah C'est. oui! J'avais pas vu, je croyais que c'était genre. Ah oui, 200% quand même! Ah oui, nice! Ouais, non, j'avais pas. Je pensais que c'était genre 70% terre ou un machin comme ça. Ah oui, mais non! Et Et non. t'es terre aussi en plus! Ouais, pas Oh grave. putain! Le Regarde, je vais Doppel au pire. taper. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, on a le Doppel, j'avais oublié. Est-ce qu'il a monté le Doppel? Je l'ai monté moi au Oui, pire. il a monté. On va le mettre dans la barre des sorts puisqu'il l'avait pas pris. Parce que bon, le Doppeliop il est un peu BG. Le voilà, avec ses petits cheveux blancs là, il est classe. Et ça fait mal, hein. Yop, que terre niveau 200, je pensais pas. Hein. Je me dis, ouais, bah, c'est bien, ça a tapé, mais comme avant, quoi, tu vois, épée d'Yop, moins 300, moins 350, c'est cool. Putain, là je fais une épée diop sans boost, sans rien, je tape du 570, j'étais là, ouah, c'est quoi ces dégâts? Bon, on va le booster un peu. Comme Il ça. faisait châtiment le. Non, pour ça que je fais les douleurs par Il fait des plage en fait. furies, lui, non? Ouais. Allez-y! Ah ouais, en plus, avec les doubles et. Les doppels, il tape le. Ah non, ça va, il a tapé le bon. Allez, on tape là. Voilà. Ah oui, ça fait un peu de vital, comme ça. C'est bien. 5220 de vita, c'est pas mal. Je croyais qu'il faisait des épées divines avant, moi, le Doppeliop. Non. Il fait que des tempêtes. Un peu con, ça. Donc ça va faire ça. C'est con qu'il ait pas fait un Yop feu quand même, j'aime bien. Je sais pas si c'est encore jouable maintenant, mais avant, putain, les Yop feu c'était exagéré. Bah, c'est bien qu'avec l'épée du destin. Ouais? Ouais. Tu joues plus du tout tempête de puissance. C'est mieux l'épée de Yop, tout ça, quoi.
Avant c'était pété les yop-feu, c'est exagéré. Mes chers parents, je pars. Allez, tape! Ah, il fait quand même des épées du jugement, puis tout. Ça, c'est con, je trouve que les Doppel, ils aient pas tous les sorts et que genre tu puisses leur mettre des modes, genre mode soutien, mode attaque. Tu vois, t'aurais genre un do deux Doppel différents à invoquer. Un Doppel qui te fait des sorts genre de soutien et un Doppel qui te fait des. Qui attaque, quoi. Bah, Qu'on puisse le contrôler, limite. le Doppel au seuil te booste, hein. Et il Il invoque pas? booste. Non, il Ah, trop fait bête. des griffes haut. Ah ouais, cinglante. Ouais. Je vais me foutre là. Allez, on va quand même regarder les maps parce que bon, c'est pas le genre de donjon qu'on a l'habitude de faire. Et boum! J'aime bien pour le moment. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis créé un petit yop là, genre il est niveau 30. Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal, ça fait des dégâts. Mais bon, c'est un peu. Ah oui, la zone pour trouver le Kitsu, c'est bien. T'as presque toute la map. J'aurais dû prendre mon E4. Ah ouais, avec perception, tu vois tout. Ouais. Elle est combien, toi, maintenant, ton D4? 199 toujours. Ah, déjà. À 46%. Je ne l'ai pas trouvé. La nanana. Par contre, bon, cabriole sur un yop, ça fait un peu bizarre, hein, mais bon. C'est pas grave. On ne va rien dire. Okay, le Doppel sacré qui fait des absorptions. C'est aussi un sacré feu, ça, je trouve ça vachement bien. Oh, j'aime pas. Abso, ça Oui, fait des dégâts de taré. Mais c'est c'est. mono-cible, c'est ça le problème. Et c'est 4 PA aussi. Ouais, mais ça au pire. Ouais, moi j'aime pas. Il est air terre là ton sacré. Non, que terre. Full terre? Ouais. Ah, je vais bientôt changer de panneau. Merde, il manque un PO. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai fait souffle, hein, mais bon, je l'ai fait quand même. Je me dis voilà, on a deux PA, on va faire souffle. Et genre, tu fais que pied de sacré et placer les persos, en fait, tu fais rien d'autre. Et punition. Coup de coq. Ah ouais. Ça avec les sacrés j'aimais bien, mais putain, niveau panel de sorts, quoi, c'est. T'as 4 modes pour le jouer, t'es soit tu choisis l'élément et puis t'as un sort, c'est tout. Pour ça que je vais bientôt changer de panneau en fait. Tu vas passer quoi? Multi? Terre, feu, et je pourrais taper aussi et air. Ah bah ça va. Ah merde, on est à 4 aussi ici. Merde. Sérieux? Ouais. Bon, je connais perso. Attends, toi, des aventuriers. Et il faut faire. Ben non, mets-toi un peu sur la dalle là. Vous faites un 3. Vos caractéristiques ne conviennent pas. What the fuck? Faut au minimum être à 3. Les 4, c'est bon. Oh merde. Bon, ben on va faire une ellipse. On se retrouve quand il y a le perso qui sera là. J'avais pas pensé qu'il fallait faire ça. Donc à tout de suite. Bon, re. Donc je suis rentré dans la salle comme un mongol sans lancer la vidéo. Donc là je suis sur. On doit tous se mettre sur la. Ah voilà, c'est ouvert. Il devrait prévoir les donjons à deux quand t'es comme ça. Enfin je sais pas s'il voit que tu lances à deux. Maintenant, c'est chacun un mob, un groupe. Ouais, si j'arrive à trouver le groupe. Ils sont bien cachés. Ah là-bas. Ouais, il y en a que trois, ça va. Non, il y en a un par personne, normalement. T'en as que un. Ah ouais. Putain, et c'est un terre, bien sûr. J'avoue. On va laisser aller faire le Doppel. Voilà.
Il y a presque one shot. Oh, je l'ai trouvé! Sans faire exprès en plus. Il est où? Ben non, il est pas là. Il est devant moi. Je l'ai trouvé. Ah merde, j'ai tapé terre, quel con! Ça va. Le Doppel, il est moins con que moi. Voilà, j'ai fini. C'est encore tout seul là, les deux, la salle après. Wow. Ah merde. Allez, lance. Ça, c'est un feu, ça ira vite. Voka, colère de Yop, boum. Ça, c'est bien ce sort quand même, colère de Yop. Ça, j'aime bien. Moi aussi. Ah merde, là, je viens de lancer, il y en a 4. C'est bon, je suis là. Ah, nice. Avec ton beau Qualtest là. C'est horrible. T'aimes pas? Non. Moi j'aime bien. J'ai une initiative de port moi avec ce perso. Ouais, 2000. On va taper le terre. Le jeu a pas trop changé depuis que je joue plus trop où il y a plein de nouveaux trucs. Non. Oh putain, trop peu d'EV quoi. Surtout qu'on est invisible donc t'as deux tours dans le cul. S'il y a là une nouvelle dimension, là j'ai vu c'est Xelor, c'est ça? Et ça donne quoi? Comme les autres, quoi. C'est facile ou c'est chaud? Exactement comme les autres. C'est aussi un donjon avec des vagues de persos et tout, un truc bien casse-couille à Oh. faire. Tu te rappelles la première fois qu'on avait fait Nidas tous les deux? Comme on avait galéré avec le roublard, c'était un truc de malade. Alors, tiens, pour la peine, l'enculé, je vais faire ça. Oh, le Kilibé! M'a saoulé. Ah bah voilà, t'as une Bruxelles. Y'a pas un succès à faire? Je vais regarder. Regarde. Succès. Bon, je vais capturer moi. Alors, duo, focus et hardy. C'est quoi hardy? Toujours rester à côté d'un ennemi. Ennemi, focus. Taper le truc. Bon, y a moyen de faire les deux, non? Ce que tu veux. Sauf que le Tanuki Sam il est casse-couille puis qu'il repousse avec ses invoques là. Je sais pas, j'ai jamais fait, je crois, le timing. Ouais. Bon, on va. Bon. Oula. Allez, on va tester. On focus le. Et il a changé de pose, t'as vu? Je sais pas. Quand t'es rentré, le Tanuki, il a changé de pose. Vas-y, on défonce le Tanu. On va lui mettre un peu d'érosion. Voilà. Peut-être moyen de le one turn. Retire des PA à l'enculé en plus. Il a toujours son sort avec cette couille qui grossit là. Elle pousse toute. Ouais. Au pire, t'as agi, toi, tu t'en fous. T'as, tu lui donnes des retraits de PA en plus. Oh, t'es con. Non, c'est bon. Molly nanana. Oh, molly nanana. Est-ce qu'il a déjà le pourpre, ce Romain, sur celui que perso? Ouais, ça va. Et le ocre, il en est où? Où est-ce que c'est? C'est pas là.
Justicier, non. Éternelle moisson, c'est où? La nuit se raconte. L'éternelle moisson, il est à l'étape 9, putain. J'étais deux fois plus loin avec le roublard. Oui, il est mort là. Non, à côté du sacré. Ah ouais. Tu fais un bond. Non. Ah, par contre, l'ardille est foirée si tu. Si tu le tues. Attends, je vais faire autrement. On va faire ça. Non, c'est un invoque, mec. Ah ben, je peux pas me coller à lui. Ah, si. Et si tu le tues, c'est les invoques qui meurent, quoi. Oui, mais je l'ai pas tué. Faudrait que tu fasses une coop ou un truc comme ça pour bien faire. Comme ça, tu te colles à une et nous, on peut le finir. Putain, elles sont casse-burnes ces invoques. J'avoue. Ça va faire ça. Merde, j'ai ouvert un truc qu'il fallait pas. Par contre, je vais tuer cette invoque de brin là. Et hop. Il a pas fini? Un mec qui, un abonné qui veut que je lui paye un Oh gelano parce qu'il a putain. plus de Kama. Ah, on a Crois foiré. qu'il a foiré le Ouais, on chat. a foiré focus. Oh, au pire, si on en a déjà un sur les deux, c'est bon. De toute façon, l'XP ça nous sert plus à rien maintenant. La limite, tu peux l'avoir à l'épée de Yop. Le Tanukai? Ouais. Encore de une. Oh non, je vais pas le finir. Oublie pas de finir à côté Ouais. d'un précis. Je sais encore jouer, hein. Je veux bien que ça fait longtemps, mais quand Ok, l'invoque a tué le même. Tanuki. Tu vas savoir aller au clac? Bon de félin, bon de félin, bon de félin. En même temps, ça va faire ça. Ça. Ah ouais. Et deux bons de félin. Esprit de félin, c'est en face de toi maintenant? Dans tous les sens, ça fait un carré, quoi. Ouais, ils ont changé avant, c'était en diagonale. Ça tape terre, hein, esprit de félin, j'ai pas rêvé. Hein. Ouais, c'est le truc Ah, qui c'est était en clair. diagonale. Bon, faut lancer la capture. Par contre, là, on va galérer pour finir à côté de quelqu'un. Je vais attirer avec le sacré au pire. Ouais. Ah non, je sais comment on va l'avoir. Avec ton Doppel. Ouais. Je pense pas qu'il va le tuer, mais limite s'il finit quand mon tour est passé, c'est bon. Ah, mais après, il y a les quatre derrière, quoi. Ouais. J'ai un cadeau. Oh nice. Ça soigne ce truc-là maintenant? Bah oui. C'est bien ça. Tu vois, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué pour que je sache pas qu'il y a des changements comme ça. Et il y a encore des bottes, on m'avait dit qu'il y en avait plus. Oh si, on a encore. Genre blindé ou ça va mieux? Quand même. Tu vois, ce truc, c'est horrible. Limite, attends, deux, je perds PM. Si je fais ça,
Oh non, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, je voulais attirer les quatre, mais bon. C'est toi qui l'as terminé là, non? Vas-y, tu peux le finir. On va... À la barbare. Ça va, on a eu Normalement, Hardy. tu l'as eu. Ouais, on l'a eu. Du testicule de Tonukwasan. Donc voilà, on va lui causer, prendre le familier. Qu'est-ce qu'on a comme familier? Oh, un petit chien-chien. C'est nul. Ouais. Enfin voilà, merci d'avoir regardé la vidéo les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement faire pas mal de donjons. Hein. Comme ça, je vais en faire plusieurs avec Alex tant qu'il est dispo. Comme ça, je vous les poste et ça vous fait des petites vidéos à regarder. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Ciao, ciao!